corner est frappé. Pas de sortie possible pour Steph Mandanda. Attention à l'Olympique de Marseille. La tête. Et un contact aussi avec la main. C'est pas terminé. Pavelka. On a frappé le but. Et ben voilà l'Olympique de Marseille qui est puni. Comme si on sentait cette action venir. C'est Koufal. KO deux fois dans cette partie. C'est un truc de fou. Il est en sang. Attention, c'est joué rapidement. Negredo sur, sur Piatti. Qui va être maintenant dans la surface, va faire donner ce ballon à Fégouli. Cette fois il a cadré Fégouli. Sur sa dernière frappe, il avait heurté la transversale. Cette fois Anthony Lopez s'est battu, ça fait 1-0 pour l'FC Valence. Ah ouais, et puis l'action là depuis le début avec ce coup franc. Vite joué par Negredo. L'excellent du pied pour. Ballon gilet, but ! Il est là, l'ancien du Sporting Club de Bastia sur ce centre qui semblait anodin au départ. Guillaume Gilet à la 10e minute qui vient ouvrir le score et permettra à Anderlecht de mener 1-0. Le second ballon, le poteau. On l'a oublié le ballon. Mais Wesley Hunt, lui, était là. Le jeune défenseur néerlandais qui donne l'avantage à la Lazio. Les Stéphanois sont arrêtés. Génération de balle de Keita qui détourne. Bilia, le troisième but pour la Lazio. Il pleut à verse et Saint-Etienne prend l'eau à 9 contre 11. C'est trop dur, trop dur face à un grand de la Serie A. Sur les courses. Nanana, le petit pont de Nanana sur Pablo. Et la frappe enroulée. Petit filet de Cédric Carasso, 1-0 en faveur de Liverpool. En santé des Reds qui maîtrisaient davantage leur sujet que les Bordelais. Depuis le retour des vestiaires, confirmation. Adam Lallana délivre Liverpool. Ouais, on sentait qu'il y avait un petit moment de panique. Avec l'accélération de Chadli. Chadli avec un petit pont s'il vous plaît sur Jérémy Toulalan. Chadli c'est un 3 contre 3, ça vient vite de l'autre côté avec ce ballon d'Ali. Ali qui va crocheter la frappe et la parade. Et la Vela pour l'ouverture du score 1-0 en faveur des Spurs de Tottenham. Et voilà celui qui a marqué le plus beau but de la précédente journée, Eric Lamela, qui vient récidiver. Cette fois face à Monaco, ça fait 1-0 sur ce ballon perdu et ce que... Avec Jensen, un super appel dans le dos et une sortie, mais pas suffisante de Ruffier, but pour Mikkelsen et égalisation déjà de Rosenborg. On est au quart d'heure de jeu. Qu'est-ce que ça a été bien monté! À l'appel de Mikkelsen avant le but, c'est magnifique. C'est tendu, c'est serré cette fin de match. Derlo oublié dans la surface. Le petit Svensson, le latéral droit de cette équipe de Rosenborg, seul dans les 16m50. On l'oublie défensif et la sanction immédiate. Kums avec Milicevic. Et but. Égalisation de la Gauloise avec Daniel Milicevic sur un service de Sven Kums. On était en train d'expliquer que jamais la Gantoise n'avait perdu contre le club français sur sa pelouse. Et ça fait un but partout. Et on a manqué de lucidité devant le but, moi le premier. Et à la mi-temps, on s'est dit bien sûr qu'on n'était pas à l'abri de prendre un but. On méritait de l'emporter parce qu'on s'est créé un nombre incalculable d'occasions, des occasions assez franches. Et puis malheureusement, on a ce penalty en fin de match qui n'est pas marqué. Mais c'est le football, il va falloir vite réagir dès dimanche. C'est bien joué dans la surface de réparation. Là, il va envelopper pied gauche. C'est des Kubek. Et le cours se compose à côté. Jallet, Valbuena. Et la réussite sur le Valbuena peut glisser ce ballon. Oh, allez. Oh, la transversale. La transversale. Oh, qui s'envole.
énorme d'égaliser là pour l'Olympique Lyonnais, avec d'abord la tentative d'Alexandre Lacazette qui termine sur la transversale parce que c'est contré. Ouais, c'était lourd, hein, il est contré. Bien centré. Allez, allez, petit calme, là. Allez, il peut c'est bon. Il faut le tuer là, sur ce genre d'occasion. Oui, avec Valbuena. Valbuena qui met ce ballon à la carrière. La frappe de Lacazette. Ce ballon des séries, c'est vers de la roue pour le gardien Hansen qui intervient. J'ai quand même bien le sentiment qu'il boite, hein. Il se touche d'ailleurs la cuisse pour le surveiller. Landreau, il faut le surveiller aussi parce qu'il est dangereux. Oh, l'arrivée de Monet Paquet qui ne parvient pas à cadrer. Passé par le poitre. Oh, un ballon pour Alexandre Lacazette. Lacazette encore. Et ça se termine dans le petit filet avec une intervention de Sels. Oh, Tolisso avec Lacazette et la balle. Encore Christophe Jallet. Le contrôle et le centre immédiat de Jallet. Et cette tête qui passera à côté de la lampe. Allez, ils accélèrent, pénalty, carton, et qui est rouge, deuxième rouge. Oh, un petit tir à la 88e minute, on attend un petit peu Lacazette, et la frappe de Marseille. Bien fonctionné à droite, il a voulu jouer sur le joueur là ici. Karim Rekik pour trouver Mendy. Il est bon ce ballon, Anguissa, l'appel de Lucas Ocampos, pas de position, de hors-jeu, Ocampos, le crampon, Ocampos. Il était attendu à la place de Batshuayi, le crampon. Ouais, c'est pas, il n'est pas perdu le ballon, il continue à travailler cet adversaire comme ça avec le centre de sous l'impulsion de Bernardo Silva. Il y avait Stéphane El Charaoui et la Sina Traoré, ça fait un but partout. Maxime Gonalo. Et c'est Christophe Jallet. C'est Christophe Jallet, celui qui vient de rentrer à la mi-temps, qui avait apporté le feu durant les premières minutes de cette seconde mi-temps. Christophe Jallet qui vient couper la trajectoire de ce ballon de Mathieu Valbuena. Boucher avec un bel ballon. On insiste pour l'instant à droite avec Diego Rolan.
Messi prend une touche vers Crivelli. Crivelli, le petit numéro de Solis, dans la surface de réparation. L'égalisation, signé Jussier. On